président a pris son petit air contrit. Et devant la tribune, au trône ses amis, il a bien affirmé ne pas aimer la guerre, tout en saluant très bas les nervis militaires. La honte n'étouffe pas cet Tartuffe assemblé pour rendre hommage aux morts, pleurer les sacrifiés, expédiés à la guerre par des gouvernements dont ces cravatés sont les tristes descendants. Drapés dans l'illusion, dévoyés de l'horreur, ils enverront demain crever au champ d'horreur des gamins sans mémoire qui seront immolés sur l'autel exécrable d'une patrie vérolée. Moi, je pense à Malcolm, Gunther ou Mathurin, arrachés à leur terre et jetés dans un train, fleurs au fusil, sourire et baiser sur le quai. On reviendra bien vite, pas besoin d'être inquiet. Et je pense à Louise, Maria, Susan, qui regardaient partir leur fils ou leur passion. Je pense à ces enfants qui ne comprenaient pas pourquoi donc tous ces gens se serraient dans les bras. Conduits vers le trépas de pauvres animaux, les gendarmes en faction leur tirant dans le dos. Il s'agissait bien sûr de ne pas reculer. Quand la nation l'exige, il faut savoir crever. Et ceux qui en 17 ont fini par dire non, non aux assauts stupides, à la chair à canon, condamnés pour l'exemple, ils furent fusillés, coupables du seul crime de leur humanité. De ça, le président ne dira pas un mot. Son discours larmoyant parlera des héros. Il faut de belles histoires aux prochains combattants pour mieux leur faire croire qu'ils seront des gagnants. Et toutes ces croix blanches, ces pierres alignées, d'où surgissent un croissant, une étoile égarée, le raccourci du monde sur un champ de bataille où l'on tua les hommes comme on tue le bétail.